Coucou tout le monde, comment ça va? Je me suis pimpée pour l'occasion et tout, je suis dans une tenue absolument pas confortable. Donc je suis contente que vous soyez là, parce que comme ça, ça vient à quelque chose. L'événement de l'été est arrivé, éclatez-vous au festival Session de Sims. Illuminez votre été dans les meilleurs morceaux de vos artistes préférés, découvrez Bébé Rexha, Glass Animals et Joy Oladokun pour la toute première fois en Simlish. Ne manquez pas l'événement en direct du 29 juin à 19h jusqu'au 8 juillet à 7h. Et on a des activités, faites des achats au festival, achetez des produits arrivés, des artistes, gérez votre propre table de vente, fabriquez ou grignotez comme une rockstar un stand de nourriture. Camper, les festivals c'est amusant mais épuisant, faites une sieste dans l'une des vous faites crac crac en musique. Profitez du spectacle, rassemblez-vous autour de la scène pour voir le concert, danser, applaudir les artistes ou jouer sur scène. Après les concerts, montez sur scène et enchaînez les morceaux improvisés sur le piano et chantez à volonté. Je vais prendre Pixia et je vais prendre Ultia. Alors voyons voir s'ils ont ajouté quelque chose. S'ils l'ont ajouté, en tout cas, je n'ai pas d'indicateur jaune pour me dire que c'est ajouté. Ah mais oui, regardez, il y a une nouvelle tenue. Waouh! Ah bah si j'avais ce corps-là, je porterais ça, hein. Trop belle ta tenue pour un job de voleur. Moi je l'aime bien, je vais pas la sortir tous les 4 matins cette tenue, mais là pour le festival et tout. Puis c'est vraiment basé sur une tenue de bébé avec ça genre. Ah mais c'est ça qu'il va falloir que je mette, celle-ci elle est parfaite, regardez c'est la même. C'est la même. Mais c'est peut-être ça que j'avais dit dans la vidéo, j'avais dit ah ouais j'ai cette même combi, bah vous avez la preuve. Ah le festival de musique exclusif Session de Sims est en ville, donc c'est bien vers 10h je pense, je ne sais pas. Pour une durée limitée, Bébé Rexha viendra y jouer une version acoustique de Sabotage, Glass Animals et Joy Oladokun seront également à l'affiche. Ça va être l'événement incontournable de l'été, allez au parc des Magnolias, à Willow Creek chaque dimanche à midi pour y assister. Trop bien, chercher le billet dans l'inventaire. Waouh, il est beau le billet! Un billet pour le festival de musique exclusive Session de Sims avec Bébé Rexha en tête d'affiche ainsi que Joy Oladokun et Glass Animals. Cliquez sur le billet pour plus d'informations une fois qu'il est placé sur un mur dans l'inventaire de votre sim. Tous les dimanches à midi, parc de Minilla de Willow Creek au niveau du coude de la rivière. Waouh, tu es tellement drôle, Pixia! J'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque! Pixia, tu entends, je te trouve tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi, j'espère que c'est réciproque! Et ça l'est pas, c'est ça qui est terrible! Ça n'est pas, c'est pas réciproque, c'est terrible. Ok, donc on disait dans le coude de la rivière. Where is the coude of the river? Ah si, ça y est! Ça y est, ça pop! Ça pop, ça pop, ça pop! Venez, viendez les filles, viendez! Alors c'est très sympa, on a un petit, regardez, c'était le code qui était à déchiffrer, la Sims Session. Ou d'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais qu'on déchiffre? Parce que il y avait le S écrit de 1000 façons différentes, donc l'alphabet Sims est plus compliqué que l'alphabet russe, les amis. Là, encore une fois, une petite flèche chiée entre les deux panneaux, on sait pas, mais on sait jamais. Ouah, on peut acheter du merch, bébé Rexha, regardez! Trop cool. Oh waouh, on peut acheter du merch avec écrit Sims Session. Eh, je veux ça dans la vraie vie. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Des petites grenouilles à vendre. Ok, les toilettes, c'est important au festival. Hein. Et les tentes. Ils sont pour dormir, se refaire une beauté et tout. Comme ça, on peut rester au festival toute la journée. Fraîche et pimpante comme à l'arrivée. Et ça, ça fait plaisir. Vas-y, moi, je vais aller faire la pigeonne qui achète des trucs. Hein. Ok, je peux acheter un appareil photo. Bah, why not? Un ballon, une guitare, une lampe à huile, apprendre le piano rapidement. Et acheter et mettre des t-shirts du festival. Il y a quoi? Été des Sims, Session de Sims, fan de... Ah! Il y a Joy qui est là! Trop bien, regardez! C'est trop bien, c'est le feu. On va se faire strike et c'est pas grave. Trop cool. Trop bien, ils sont tous réunis, ça a marché et tout, ouais. Est-ce qu'elle chante vraiment? Mais oui. Mais oui, mais l'animation est trop bien, tout est trop bien là. Les bulles et tout, regardez. Sonyeok est toujours là, bien entendu. Et nous on kiffe, regardez les donzelles là. Le gang. Oh là là, je suis triste, qu'est-ce qui se passe? On a envie de faire pipi. Bah allez faire pipi. Attends, je me suis pas fait pipi dessus. C'est qui s'est fait pipi dessus? Ah, Pixie, elle adore. Non, mais il va faire pipi, c'est pas grave. De toute façon, tu vas toujours, on est d'accord au festival de musique, tu vas toujours faire pipi au pire moment. Moi, ouais, je suis trop contente. En même temps, je suis un peu embarrassée quand même. Et regardez, automatiquement, je lui ai rien dit, elle retourne voir le concert. Ah, mais non! Mais trop bien, elles sont trop bien les animations.
Bon alors là c'est un peu beaucoup s'ambiancer par rapport au... à la chanson qui est très chill, mais bon. J'ai même pas eu le temps de m'acheter des t-shirts. Merci d'avoir acheté un t-shirt Session de Sims en édition limitée. Et Session de Sims, hein, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches pour les Sessions de Sims. Les vêtements que vous avez achetés sont disponibles dans le cus pour les Sims de votre foyer. N'hésitez pas à changer de tenue dans l'une des tentes à proximité. Oui, vas-y, on va tous les acheter. De toute façon, chérie, je m'en fous. On va mettre Joy. Bon, ils sont pas ouf. Enfin, les deux là sont pas ouf en tout cas. On va tenter. Bah, s'il va mettre celui-là, restez avec celui-là quand même pour soutenir Joy. Il y a de la musique dans l'air. Regardez, première partie jouée. Voir un concert si extraordinaire apporte toutes sortes de sensations agréables. Quel bonheur. C'est fini? Ouais, ouais. Trop bien, regardez. Elles sont trop bien les animations. Mais non. Trop bien. Au revoir. Et tu t'en vas où? Tu dépop? J'imagine que qu'il dépop, il disparaît magiquement. Ouais, voilà. Un peu dommage, mais bon, on s'y attend des Sims 4. Hein. Ah ouais, du coup, il y en a qui se changent pour Glass Animals et tout, comme il arrive. Ouah, il est trop beau celui-là. Ouah, attends, celui de Bébé Rexha, il est cool. Celui de Bébé Rexha, il est plus cool, je trouve. Les couleurs sont sympas par rapport aux autres, j'aime mieux. Quoi, Ultia, elle a acheté une grenouille? Mais attends, mais Ultia, si t'achètes des ratus, d'accord, mais une grenouille. Ah, ça y est, à mon avis... Oh mais oui, il est là! Ouais! Waouh! Waouh, il y a de la fumée, ce coup-là, regardez! Resteront-ils dans le game une fois le festival fini? Les t-shirts ou les personnages? Waouh! Il est grave beau le festival avec Akri 2021, moi je l'adore. Il devrait faire un truc comme ça mais qu'il soit pas éphémère. Bah non, s'il était pas éphémère, ça perdrait de son intérêt pour moi. Ça perdrait de l'intérêt d'en faire un event, ça serait plus vraiment un événement. Et aussi du délire par rapport au fait que c'est un festival ça dure pas. Et vous êtes pas changé vous. Heureusement qu'il y a Ulrich qui s'est changé. Bon, pour l'instant c'est deux chansons un peu tristes quoi, c'est dommage. J'espère que Bébé Rexha l'envoie sa chanson. Parce que moi je vous cache pas que j'avais envie de danser. Mais c'est bien qu'il n'y ait pas trop de Sims non plus. J'en aurais bien mis le double de ça. Mais tu sais, c'est petit quoi. Vous voyez, c'est pas grand. La musique est longue niveau temps Sims. Oui, c'est sûr. Je pense que ça dure peut-être 4 minutes en temps à nous. Mais en temps sim, ça fait long. La chanson qu'ils ont retrouvée. Ouais, c'est sympa les effets de lumière et tout. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux chanter n'importe quoi, ça passe. Ouais! Génial! J'aime beaucoup les animations. Ouais! Et c'est trop bien, genre c'est toute la journée comme un vrai festival quoi. Ah nana, je savais pas, bah mettez pas de tenue corps entier à vos Sims. Vous pourrez pas les changer. Bah je vais prendre celle-ci alors. Voilà, c'est pas grave. Et on va acheter mettre les t-shirts du festival. Le seul que j'ai pas acheté c'est Session de Sims. Waouh, et celui-là je le veux tellement dans la vraie vie. Cupcake à la carotte, parfait aux fraises, parfait au chocolat, bretzel, pizza au fromage, pizza pepperoni, frites, cookies aux pépites de chocolat. Oh, y a pas des milkshakes, moi les festivals de musique. Je m'en pis, friend milkshake. Je sais pas ce que vous mangez, votre go-to food au festival de musique. Oh, les festivals, ça manque de ouf. Mais je suis alsacienne, enfin, adoption, donc je vais prendre un bretzel. Obligé. Ah, ah, ah. Ouais, Bébé Rexha. Vas-y, j'espère, elle envoie la chanson. Oh, la fumée bleue. Ouais, mais une bière, c'est pas à manger. Enfin, tu me diras le milkshake, moi, mais ici, il y a tellement de calories que c'est à manger, quand même. Ah, c'est cette chanson, ouais, je la connais. Ah, la chanson, je la connais, c'est bien. Il y a moins de Sims, par contre, pour la fin. Ça va pas. Regardez la lune en fond et tout, c'est pas trop beau. Waouh.
j'adore, c'est trop beau. On a une fangirl là. Les artistes ont tous la même animation. Ouais, on en parlera un petit peu justement après de mon avis et tout, mais ça c'est une de mes critiques, ouais. C'est une nouvelle animation donc on va pas se plaindre, mais bon. Et puis ils ont fait l'effort de faire coller quand même l'animation des lèvres à la chanson. C'est quand même ouf ça. Retourne en festival, moi aussi, Laura, arrête. C'est beau les effets de lumière aussi. Hein. Wow, c'est joli, hein. C'est vraiment joli, hein. Ah, c'est du Simli. Même le piano, j'ai l'impression. Ça colle vraiment avec la mélodie, hein. Au niveau de la synchronisation labiale, c'est pas beau. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis vraiment pas d'accord, hein. C'est difficile de faire à un personnage Sims la même chose, ou alors il a fallu faire de la motion capture. Là, rien que ça colle, elle ouvre la bouche au bon moment et tout, c'est ouf. C'est vraiment ouf en termes de moteur des Sims 4 qui est déjà existant, quoi. Magnifique, ouais. Magnifique, le père, c'est incroyable. Yay. Incroyable. Bye bye. Et du coup, ils ont un moodlet, voit une superstar en concert. Quel concert incroyable. Et Blandine y était. Blandine, c'est le nom de Pixia pour ceux qui savent pas. Attendez, mais il y a les sœurs sympas qui montent sur la scène, là. Videur. Ah, y a... Ah, mais ils peuvent donner des sous et tout. Je peux la tège. Wow, Ultia. Shine bright like a ratus. Un autre site de concert à l'aide, quoi. Regardez comment elle s'enjaille, Ultia est trop contente. Pas de boogie boogie avant de faire vos prières des soirs. Boogie boogie, pas de boogie boogie. Salut. T'es allé cluber? Ah bah oui. Ah le gang, regardez. J'ai rencontré ce clampin en allant au paradise. Un extra pain sexy avec un masque de flic. Bonjour. Mon assain me semblait bien radin et il vendait du pain. Il m'a dit oh oh. Adola, tourne-toi. C'est ça qui est nouveau. C'est ça. C'est ça, œuvre défilée avec fierté par Jupiter Steven Hill. Célébrez la fierté en apportant la parade sur votre terrain avec cette magnifique œuvre du talentueux Jupiter Steven Hill. Midnight Fox 452. Mais c'est une œuvre de quelqu'un? Un joueur des Sims qui est dans le jeu? Mais vous imaginez le rêve. Cette œuvre commémore les valeurs de diversité et d'inclusion de cet événement historique et important dans une composition amusante pour le Pride Month. Et colorée correspondant à l'état d'esprit de la célébration. Nous espérons que vous l'aimerez autant que nous. Exposez-la fièrement sur votre terrain. Regardez! Mais vous imaginez, c'est quelqu'un qui a fait ses dessins dans la vraie vie et ça atterrit dans le jeu. Oh mais c'est trop bien, je connais pas mais je suis trop contente. Ah oh, mais c'est trop bien pour cette personne là. Oh, trop bien. Et je crois que c'est tout du coup. Donc en plus de l'événement Summer Sim Session pardon qu'on vient de faire, on a correction de bugs. Bon, les correctifs de bugs, hein, on va pas cracher dessus, c'est cool. Mais après, l'événement est très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Le seul truc, c'est que c'est vrai que pour moi, quand on dit festival de musique, on dit les musiques, que ça va bouger. Vous, dites-moi votre avis dans le chat, c'est le moment. Dans le chat, les commentaires. c'est le moment, on va parler de ça, on va prendre 5-10 minutes, juste pour dire ça. Je trouvais ça un petit peu dommage que ce soit que des musiques un petit peu mélancoliques. C'est sympa, les musiques sont super,
C'est des bonnes musiques, elles sont en simlish, c'est top. Ça rappelle un petit peu l'époque phare des Sims 2 où toutes les musiques... on avait plein de musiques en simlish et que c'était cool. Je crache pas sur ça. Mais c'est vrai que ce soit que des mélancolies, que piano-voix, on s'attend... Tu sais, j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire la fête, j'avais envie de danser. Et du coup, ça rend les animations qui sont très très sympas du groupe de Sims qui est là pour écouter le concert un petit peu off, quoi. Elles font un peu bizarre quand le Sim fait « Ouais, là 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 !» Ouais, bon, d'accord, mais ça va pas trop avec la chanson, parce que là, on aurait dû sortir un briquet puis faire ça, tu vois, ça aurait été plus correct. Un bon rock ou Electro Sims, ouais, voilà, trop de piano, ouais, ils auraient dû prévoir un instrument, une animation par Sims, on aurait pu voir des styles différents et éviter l'animation qui se recycle. Exactement, je suis complètement d'accord. L'animation est super, on a donc le piano qui correspond au piano, quand il joue, la voix qui correspond à la voix, c'est ouf, les animations sont très bien, là, qui s'inclinent, qui font des bisous, comme ça, c'est très 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 sympa. C'est vrai qu'avoir un instrument, par exemple, je sais pas, du coup, c'était Joy au piano-voix, c'était très bien pour le côté un peu blues, tout ça, top. Derrière, avoir peut-être Glass Animals à l'électro avec le poste de DJ, et puis peut-être Bébé Rexha, pareil, à l'électro, ou une guitare, ou quoi que ce soit, ça aurait été cool, ça aurait diversifié, et ça aurait plus eu l'ambiance festival, et ça aurait fait crescendo peut-être aussi, tu vois. Là, aussi, comme il n'y avait pas de différentes animations par rapport à Bébé Rexha, par rapport aux autres, ça donnait pas l'impression que c'était la tête d'affiche, que c'était elle qui venait voir, parce que c'était présenté comme ça. Donc c'était un petit peu dommage, ça a rendu les prestations un peu toutes pareilles, alors que ça aurait dû être bien différent, je trouve. Avec la qualité des animations, justement la synchronisation labiale, la synchronisation avec le piano, j'ai été vraiment surprise, mais c'est vrai que je m'attendais, j'avais envie de faire la fête. J'étais vraiment partie en mode, ouais, je vais faire la fête, ça va être la teuf, et en final, c'était un festival de musique chill, voilà. C'est une com très intelligente, je trouve, parce que pour les artistes, pour les joueurs, on connaissait pas les artistes, on a envie d'aller les découvrir. Comme dit Ratakun, les gens, les joueurs qui connaissaient les artistes, c'est cool, ils disent « Waouh, mon artiste préféré dans mon jeu préféré, c'est génial !» Pour le jeu Les Sims, c'est super parce que ça fait une bonne com, c'est-à-dire que quand t'as Bébé Rexha qui doit avoir des millions sur les réseaux sociaux qui dit « Hey, je fais une musique dans Les Sims », peut-être les gens vont se dire « Tiens, j'ai envie d'aller voir !» J'ai envie d'aller voir ce que c'est ce jeu Les Sims, parce qu'il y en a qui connaissent encore pas Les Sims, ou qui ont connu avec Les Sims 1, Les Sims 2, la période phare des Sims, et qui n'y ont jamais rejoué, et qui se disent « Tiens, je vais peut-être m'acheter Les Sims 4, en plus il est pas très cher pour tester, pour aller voir cet event avec Bébé Rexha. » Donc pour moi c'est un super event en termes de communication, vraiment ça va rapporter à tout le monde, ça va faire plaisir à tout le monde, et nous les joueurs... sommes pas forcément fans des artistes, ou quoi, bah au pire on a découvert des nouveaux artistes, on a fait un petit événement qui était sympa, qui était mignon, avec des animations chouettes, qui nous a changé notre routine de jeu des Sims, donc pour moi c'est tout bénef. Après, est-ce que c'est THE mise à jour qui va changer ta vie? Non. Est-ce que c'est THE mise à jour en mode « Waouh, c'était vraiment la mise à jour qu'on attendait dans les Sims 4 » Non, mais ça reste un petit événement sympa, comme ils en faisaient avant. Voilà, c'est gratuit, c'est pas comme Katy Perry où il fallait payer. Je m'attendais à ce que tout le parc, tout un parc soit changé en festival, et là c'est que un petit bout. Mais du coup ça faisait ce côté, peut-être festival intimiste, qui allait bien avec les balades. Tu vois, tout inconvénient, il y a un avantage. Ils auraient pu étaler les chansons sur deux jours Sims, vu qu'ils ont mis des tentes, ça aurait été logique qu'on soit obligé de dormir sur place pour la suite du festival, là les tentes sont des accessoires. Bah non, parce que si tes Sims n'arrivent pas en forme, tu peux les mettre en forme via les tentes. Donc ça c'est bien. Après oui, je suis d'accord que ça aurait pu être deux jours Sims. Ça m'a fait plaisir, merci d'avoir été si nombreux pour découvrir ça avec moi. On le refera plus, hein. Du coup c'était vraiment un event, en plus voilà, y a rien à refaire. Hein. Merci à tous, vous faites très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain 16h30. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Salut.